échanger entre producteurs et consommateurs, organiser des conférences, des débats, des rencontres, des stages de cuisine. Voilà quelques-unes des missions de l'association Germes de Bio, installée à Nort-sur-Erdre, association qui vante bien entendu les produits biologiques. En fait, à l'origine, c'était rendre accessible concrètement, physiquement, en vendant effectivement des produits biologiques pour le biais du marché. Et depuis la création du magasin Graines de Bio, qui lui, effectivement, met les produits en vente, le but de l'association, c'est effectivement de faciliter la compréhension des produits biologiques et de permettre aux consommateurs d'être en contact avec des producteurs. L'intérêt, c'était vraiment de pouvoir échanger autour de ce type d'agriculture. Pour mieux cerner ce que c'est que l'agriculture biologique, on trouvait ça intéressant que les consommateurs puissent s'exprimer par rapport à ça, c'est-à-dire se dire, est-ce que ça sert ? Est-ce que c'est si intéressant que ça de manger des bananes qui viennent de Martinique ? Ou est-ce qu'on n'a pas peut-être intérêt à manger les tomates, les fraises, les concombres d'un producteur qui est situé juste à côté ? C'était à la base une initiative de producteurs locaux, à Nort-sur-Erdre, qui ont voulu justement faire un marché de producteurs, donc rendre accessibles leurs produits aux consommateurs sur Nort-sur-Erdre. Et ensuite, l'association est devenue une association de producteurs et de consommateurs, avec pour but vraiment de favoriser l'échange, les relations entre les producteurs et les consommateurs, et de promouvoir de façon vraiment ouverte l'agriculture biologique. Au niveau des études scientifiques, ils vont dire, il n'y a pas une grande différence énergétique, qualitative entre le bio et le pas bio. Sauf qu'effectivement, quand on mange, un des constats quand même, c'est que tu as beaucoup moins besoin de manger, tu manges beaucoup moins quantitativement quand tu manges du bio que quand tu manges du conventionnel. Donc il y a effectivement un impact, mais qui est beaucoup plus subtil que la quantité d'énergie contenue. Comment est-ce qu'on fait pour adhérer à l'association ? Super facile. On marcement son prénom, 5 euros adhésion à l'année. Mais il faut venir au forum. Très simple. Oui. Au forum de Nort-sur-Erdre qui aura lieu le 4 septembre 2010. Sinon, au magasin Graines de Bio, il y a des bulletins d'adhésion. C'est vraiment une petite association qui se développe, mais qui se développe tranquillement et assurément. On met en place de plus en plus d'initiatives de produits. C'est pas une association qui tourne du feu de Dieu avec des réunions toutes les 5 minutes et puis 200 adhérents, mais c'est une association qui fait son petit travail à sa petite échelle. Mais oui, c'est très convivial. L'intérêt, c'est qu'effectivement, c'est vraiment très ouvert. Et le magasin Graines de Bio est situé au pont Saint-Georges à Nort-sur-Erdre.